C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Sous TAC 509, tout haïtien connecté. Ou nan émission Mon éditorial. Gros déblosay a pété nan pays an pendant toute journée hier là. Scandale nan coup d'appel Port-au-Prince et j'en ap gade la accord primature pa ko ka bay résultat. Nan sa ki gen pou wè avec libération prisonnier politique. Ki sa pral di pour Ornel Belizère, ki sa pral di pour Kilik, ki sa pral di pour tout l'autre prisonnier politique ki gen plus passé 2 ans nan pénitencier national. Ou besoin konnen, rete la nan yon ti moment ou pral konnen tout détail yo. Mim yo sa encore bandi occupé Port-au-Prince. Matissant sous contrôle bandit, plusieurs machines, yo rançonné plusieurs machines, yo kidnappé un paquet moun. Donc bandit sa yo réaffirmé position yo montré la police c'est yo même qui gen autorité dans zone nan. Qui ça DG la police en Léon Charles pral fait? Qui ça la police envisage fait tout bon pour éradiquer phénomène banditisme, phénomène kidnapping nan en dedans pays? En pile parole gen pour parler là. Déjà, m'invite au partager émission avec tout contact ou copier lien, partager dans différents groupes yo, au pral qu'on est en pile bagay. Eh bien, je dis en là, moi j'ai 2 produits, m'vin présenter nous. Bagay sérieux net, pas gain maintenant ça. Une pommade qui rele Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénio. Ah, ça t'a dit ça. Donc monsieur, madame, nous sauver. Donc pas de question plein et outils monsieur à li piti, li coûte la bay problème non. Gen outil là l'a aidé au. Entre 30 à 90 jours ou après 3 à 5 cm. Plein fini, corvée fini d'ailleurs il pas gain effet secondaire, c'est produit tout en fait naturel 100% organique. Et d'ailleurs, tout le monde ka servi avèl. Tout garçon entre 15 à 75 ans ou ka utilise gains outils ou ap joine bon jan résultat d'ailleurs pommade la parler de li déjà pommade la parler pour tête li déjà. Deuxième produit li rele Gainbonne. Son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles. Li la li même la pour revitaliser quoi, la pour augmenter libido, la pour augmenter érection, la pour augmenter bonne. D'ailleurs non on parler de li Gainbonne. Kouni a ka pran medikaman sa, ou ap gen bagay nan moun pou frape. Donc, monsieur dam, pa nan fè korve, pa nan fè korve a la, parce que gen produit pou ou, mpote produit pou ou, ou ka rele nan 37-55-46-06 sou an Haiti, 37-55-46-06 sou an Haiti, ou bien tout sou nan international, ou ka rele nan 514-886-97-76 514-886-97-76 ou bien visitez website là pour plus facile www.zestofmoringa.com zestofmoringa.com. Regardez là qui passe dans l'écran, relez écrit mes amis, al prend produit yo ou ba moi résultat yo dans boîte manite. A été annoncé dans début émission, plusieurs prisonniers et politiques t'ont présenté dans le cours d'appel Port-au-Prince dans l'idée pour joindre libération. Le parmi yo, Ornel Belizère, Gen Kilik, qui t'ont joint arrestation yo, ça va gagner 2 ans de cela. Maintenant, si on a considéré dans le contexte côté que monsieur Sayo t'ont joint libération yo, est-ce que véritablement nous avons parlé de prisonniers politiques? Bref, on t'y rappelle pour vous. Ornel Belizère, le yote arrêté, Ornel Belizère avec un paquet de zam illégal. Yote arrêté Ornel Belizère avec un paquet de zam de guerre. Yote arrêté Ornel Belizère suite avec un paquet de déclaration incendiaire que le te fait, li pral sauté ambassade américaine, li pral sauté Union School, des déclarations qui répréhensibles. Et l'on a songé Ornel Belizère lui-même,
nan ki structure politique li te vraiment, nan ki ki bataille li tap mené, ki dè ki est li te campé, ki est ki te avec, parce que Anel Belizer li ton allié rouge SDP. Anel Belizer pa gen yon conférence de presse ka fait opposition politique la organisée pour pas joindre Anel Belizer la dan. Et une fois Anel Belizer fin fait déclaration côté que li pral sauter Union School, li pral sauter ambassade américaine, yo la gueule. Tout André Michel, Nenel Kassi, la tortue qui était avec Anel Belizer, yo tout te la gueule yo te quitté Anel Belizer parce que yo te connaît qui ça pral vini d'ailleurs, yo te connaît qui ça pral vini comme rémission. Et effectivement, yo arrêté Anel Belizer. Et leur vin arrêté Anel Belizer. Anel Belizer gen change contre lui ou gen détention armée illégale nan moun qui condamné par la loi. Kounya ki sa pral vin di? Est-ce que pral vin parler de persécution politique dans un contexte côté que réellement infraction fait eux puni par la loi. Le n'a songe même André Michel ça qui t'est couru t'est lagué pile, qui t'est abandonné et Anel Belizer. Jodi an Noël Corda la main, c'est lui-même qui nan écoute d'appel Port-au-Prince qui pral défendre et prisonnier politique yo. Et le pire dans tout ça, le n'a gardé dans qui contexte libération prisonnier politique yo évoqué, c'est à travers un accord politique, alors que accord politique là pour lui-même peut-être pas li pas faire unanimité. C'est pas toute structure politique de dans pays an, qui a approuvé le qui adopte la société civile là pas la dan nous pas gen un accord et politique qui unitaire nous pas gen un accord politique qui gagne et bonne volonté tout moun la dan bon gré tout moun la dan je dis comme on pral base sur accord politique ça pour dire que on pral exiger libération prisonnier politique alors ce que ça reproche soi-disant et prisonnier politique ça c'est des faits qui répréhensibles qui punis par la loi. Donc quelque part le n'a demandé pour la justice fait travailler pour la justice travaille bien pour pas y influence aucun pouvoir dans pouvoir judiciaire là c'est inverse là nous fait comment nous pral parler aujourd'hui là de prisonnier politique alors que tout ça reprocher mon yo c'est des actes qui punis par la loi. Est-ce que yo t'ai arrêté Anel Belizer parce que j'ai dit son opposant politique li compte ça Jovenel Moïse t'a fait ou bien yo t'ai arrêté Anel Belizer parce que il t'ai gen zam li t'ai gen zam illégal. Indépendamment de ça, Anel Belizer te baye comme déclaration, comme quoi tout zam ou pas pour lui, comme quoi ou te mette l'autre zam dans machine, la caille, etc. Nous pas rentrer là, puisque l'heure ou te arrête, l'heure ou te arrête avec zam qui est illégal. Donc ça, c'est premier ça pour nous retenir. Donc, si t'es gen zam illégal, faut que la justice tende, faut que la justice condamne en conséquence. Nous te ka gen l'autre monde qui gen l'autre situation qui peut-être oui c'est des prisonniers politiques gen militants yo te ka arrêté là k'ap pour prison pénitentiaire nationale c'est parce que yo te non cette manifestation c'est parce que yo te gen revendication yo t'a fait passer mais c'est pas tout monde qui dans pénitentiaire nationale yo arrêté ce Jovenel Moïse qui de vrai prisonnier politique donc nèg aujourd'hui là bon bataille politique qui a fait bon bataille politique yo vle fait mais tout ça qui t'est arrivé qui t'est fait sous Jovenel Moïse yo assimilé la persécution politique alors c'est pas du tout le cas. Si réellement nous vle fait pays, si réellement nous vle mettre campion état de droit, faut que nous pas mêler bagay yo, faut que nous pas entremêler les bagay yo. On délinquant, retourne délinquant, je dis en l'oral dim, si yo arrêté un bandit, on pral dim puisque bandit ça et on estime il gon quelconque relation dans le temps avec on nèg dans le pouvoir, pral dim c'est persécution politique tout. Non. Faut reler un chien, faut reler un chat, un chat. Ça pour ses zones, bail ses zones et ça pour bon jour bail il tout. Parce que là, si vraiment nous rentrons dans le cadre pour nous dire que oui, et hier, et Anel Belizer lui présentait dans le coup d'appel et que jugeant selon la déclaration Anel Belizer, jugeant par un petit balai. Tout dépend de ça, nous avons avancé comme argument. Tout dépend de ça, avocat n'a pas avancé comme argument pour nous défendre et libération prisonnier. Mais tout, pendant qu'on a parlé de défense du argument de tout balai, la loi doit être comme boussole.
La loi doit toujours être comme boussole, elle doit toujours privilégier la vérité. Je veux dire qui argument pral gagner pour défendre on est qui été arrêté avec un paquet de zam. Qui argument pral gagner pour défendre on est qui été arrêté avec grenade, qui été arrêté avec fusil d'assaut. Quelque part niveau malhonnêteté monsieur est tellement excessif, est tellement élevé, yo vinn pas ca distinguer ça qui est les politiques là avec droit. Évidemment, dans le pays, tout ça qui est légal, nous entrons dans la politique. Tout ça politique, nous mêlons avec le droit. Comment le pays va faire marcher bien? Comment faire de justice? Comment réellement nous allons privilégier la vérité au détriment de tout ça qui est pour nous avec le pays? Le même chose dans ce contexte, Armel Bélizier, le journaliste à Sion, et vient mettre sous ça. Différents choses, je te viens mettre, qui viennent aggraver la situation en Belizère. Je dis, là, c'est vrai, n'a pas les nouveaux justices qui corrompent, nos bonnes justices, je te qu'à bouquer la guerre en Belizère, indépendamment que tu arrêtes la victime légale. C'est pas impossible, nous, qu'on a qui paye, n'a vivé d'ailleurs, leur mettre étiquette prisonnier politique sous l'eau. Ça, c'est pas quelque chose de garantie, puisque je dis, là, et André Michel te dit très clairement, tout le monde qui te ka barre libération prisonnier politique, il te fait révoquer yo, il te fait révoquer CGE, il te fait révoquer ministre justice. Maintenant, li pense te gen le champ libre. Donc, président cour d'appel là, qui réellement lui-même, et monsieur yo pense yo te ka vini hier, vin fè pression pour jouer libération prisonnier politique. Mais faut nous songer. Nous pas fin grand monde tête, nous pas grand monde tête. Nous ça arrivé et un accord politique là, yo te décidé pour libérer monsieur yo. Mais là n'a tendé, là n'a gardé qui déclaration Nel Belize en fait qui te concerné ambassade américaine, c'est sûr que bagaille pas easy, pas douce pour Nel Belize. Ou pas quand je pral sauter ambassade américaine, on pral sauter Union School et pour ta content, t'a pral attendre que yo t'a pral la go comme ça. Même là, c'est pas dans l'idée ça, parce que ma son Jean-Nel Belizier, il fait pèlerinage dans plusieurs radios, le marché à l'expliquer, c'est pas dans le contexte ça, il te dit, il t'explique, c'est quitter, il te dit, éviter l'ambassade là, pour l'aller après, la vérité, Union School, et puis pour le mettre barricade. C'est pas comme ça, il était well. Et à l'époque, Jean-Nel Belizier était tellement chaud. Il était tellement chaud devant Bonan, il était tellement chaud avec SDP. Et, bon, dis-nous, on va dire qu'il est beaucoup plus frappant. Le même pas les prisonniers politiques, pour quantité de déclarations André Michel te fait, pour qui ça va t'arrêter? Parce que jusqu'à date, pour qu'on ait des faits probants, pour qu'on ait preuve côté que vous avez André Michel là, mais c'est ça qui fait le pas encore. Mais c'est pas parce que bon nèg yo dessus de la loi là, tout moun ka prend pause, yo en lè la loi pa ka rele, on juge pa ka rele yo, on commissaire pa ka rele yo, etc. La loi pa ka punir, pa ka sanctionner yo. C'est parole. Nous seulement pourquoi vle mettre système judiciaire en branle, nous pourquoi vle faire ça pour faire ça, mais à part de ça, loi là, texte yo là, si gon moun ki supposé prendre code, si gon moun ki mérite pour prendre code, la prend code. Mais ici c'est corruption, ici c'est malversation, ici et c'est premier ministre qui a influencé la justice, c'est président qui a influencé la justice, c'est nèg qui s'y a encore dans André Michel, c'est eux-mêmes qui a influencé la justice. Donc tout est possible. Tout est possible. Est-ce que libération Nel Belizier là qui lit et tout l'autre acolyte, c'est pour bientôt, c'est pour demain, c'est pour après-demain? C'est pas facile. Sincèrement, il n'est pas facile. Avec déclaration ça yo, et différentes preuves ça yo, qui gagnent pour Nel Belizier des preuves à charge. Contre Nel Belizier, Nel Belizier, il faut qu'on prenne pour sortir dans la prison. Il faut qu'on prenne pour sortir dans la prison. Donc là, nous comprenons nous une situation côté que la justice a une certaine influence. Il a influencé la justice par rapport avec l'exécutif. Il a influencé la justice par rapport avec pression politique là, mais est-ce que pression ça doit le passer? Est-ce que président coup d'appel là il va céder? Est-ce que réellement la justice va triompher par rapport avec différentes infractions qui étaient commises pendant tout déroulement de ans ça côté que monsieur ça t'a ferraillé ou des pouvoir t'a marché avec examen illégal, il t'a fait ça revenir de notre pays? Est-ce que réellement la justice va triompher? Ou bien n'a toujours été non logique côté que nous voulons faire pays mais nous pas respecter principe, nous pas respecter ça la loi dit.
Moi personnellement, pas aucun problème et avec Ornel Belize, pas aucun problème avec Kilik ou bien avec n'importe quel prisonnier politique qui était caillé, soit un prisonnier politique. Mais ça qui doit respecter, c'est que les bons faits qui promettent sont faits qui répréhensibles, sont aux actes que la loi punit. Nous pas droit utiliser politique là pour nous échapper nous de la justice. Même Jean-Noël Bachal Baride et parlementaire, monsieur député sénateur qui a voulu cacher des immunités, il n'est pas différent. Il n'est pas différent, je dis, hein? Les bons ensemble de bagailles qui ont passé dans le pays, hein? Nous cadrer tout avec persécution politique. Néglant, il est dans tout ça. C'est pour exemple la première ministre Ariel Henry. Il a cité non comme monde qui a pouvé avec dossier assassinat président Jovenel Moïse qui était parlé avec Badjo Félix. C'est j'ai invité les guettants au-dessus de la loi. Certes, et dans la ligne c'est j'ai été prendre façon de faire procédure, etc. Il n'est pas applicable. La loi n'a pas bal autorisation de faire comme ça. Mais je dis en là, je dis en faut que nous connaissons. Non seulement un ensemble de démarches que le Premier ministre Ariel Henry prend et notre primature dans le cadre et dossier assassinat président Jovenel Moïse qui prouvait très clairement que bon bagay qui a caché, bon bagay qui a battable là. Révoquer CGA, révoquer mini justice, vite mettre sous sa loi d'influence, monsieur Sarah qui fait partie de l'opposition politique. Là, il est évident que le système judiciaire est handicapé, paralysé par rapport à l'influence. Influence extérieure, influence exécutive, influence législative, même influence, monsieur Sao, qui est dans la communauté internationale. Parce que tout le monde prend Haïti pour savon, tout le monde prend Haïti pour pays qui parle principe, pays qui a fait tout ça, en toute illégalité, en toute impunité, et puis quitter le marché. Donc là, nous arrivons dans la limite, côté que si il y a un principe, il faut que le principe soit respecté. Si il y a un monde qui mérite de tomber en bas, sanctionne la loi, il faut que le sanctionner. Indépendamment de clan politique ou indépendamment de clan politique ou. C'est pas parce que tout ça, l'opposition opposition politique, tout ça, on fait pas de 4 ans, il y a un danger, il n'y a pas de gens qui viennent, il n'y a pas de gens qui font quelque chose. C'est pas parce que il y a pas laissé aller ça qui fait aujourd'hui. Même je sais pas, quand il vient mettre et causer persécution politique devant pour le dos, et monsieur Sayo, il n'y a pas de faire rien qui est illégal, il n'y a pas de faire rien qui reprochable, je tiens. C'est pas possible, c'est pas faisable non plus. Donc là, vraiment, réellement, moi, je vais nous garder, Jean-Ornel Bélizer, il était excité. Si de yo, en simple coup d'appel là, Ornel Bélizer était excité, vous avez un dent même. En Belize avec un bas de juge. Nous ne pouvons pas nous faire. Commencement émission. Un ensemble de déclarations
Arnel Belizer te fait, li te fait directement contre les États-Unis. L'autre jour, il a sauté et Union School, qui sont l'école américaine, l'autre jour, il a sauté l'ambassade américaine ou attaqué directement les États-Unis. Donc là, qui sortez-vous? Qui sortez-vous à attendre? Et là, on a regardé les certitudes qui ont été gagnées par rapport avec la libération, monsieur. Sûrement, avocat André Michel, il a fait un peu de temps pour libérer, tout le monde a été sous contrôle, tout le monde a été contrôlé. Avec ou sans juge, il a besoin de libération. C'est peut-être ça qui a fait un peu. Et là, regardez, ce n'est pas le cas. Et là, regardez toute agitation, et on a le Belizer qui est là, il voulait très clairement. Attends-lui, il vexé, il est estomaqué parce que ça l'a attendu, il n'est pas salié. Et deuxième bagaille, je dis en là, le système judiciaire nous est tellement bas, ça arrive que le juge, il voulait tout bon renforcer la loi, il voulait tout bon utiliser la loi comme boussole et faire ce que de droit. Ou bon ensemble de preuves contre nous-mêmes qui montrent mais qui sont faits, mais qui l'ont fait, mais qui sont la loi reproche et pour attendre que comme si de rien n'était pour nous libérer. Ce n'est pas possible. Moi-même, dans cette situation, ça, sincèrement, j'espère que le juge ne prenne pas prendre intimidation, ne prenne pas prendre provocation politique, ne fait exactement ça la loi guide pour faire. Il utilise la loi comme boussole, il utilise le code pénal comme boussole pour l'avancer. Nous utilisons la politique trop pour nous influencer les choix. Nous utilisons la politique trop pour nous influencer les décisions. Je dis réellement, si nous voulons avancer, il faut que nous mettions la politique en place. Il faut que nous quittions la politique en place pour la politique en jouer un rôle dans la société. Que ça. Mais ça qui est pour avec la justice, que tout le monde qui est en pouvoir dans l'appareil judiciaire, que vous faites travailler convenablement. Et si nous parlons d'influence, États-Unis ont influencé le système judiciaire noir. L'on parle de la police. Formation technique, États-Unis. Formation policière, États-Unis. Bon paquet de démarches qu'a fait, démarches administratives, démarches financières, c'est États-Unis. Ou qu'on attendait au dos, États-Unis bloquer telle nomination, tel juge. Li bloquer telle prestation, tel juge. Donc, je dis, là, nous arrivons dans limite, nous arrivons dans une situation côté que, réellement, si nous voulons faire pays, faut que nous apprenions à respecter ça, la loi dit. Faut que nous apprenions à respecter les principes. Donc, là, nous espérons que très prochainement, Arnel Belizer, qui lit différents prisonniers politiques à Belgique, pour il y a bien pour reparaître devant le juge. Il y a paraître devant le juge et laisse un juge après décider tout bon, qui ça pour faire avec M. Sayo. Si c'est 3 ans, si c'est 4 ans, si c'est 5 ans prison, yo pral prononcer pour procès ouvert, etc. Ça qu'a fait là pour le fait de fini. Pari perdu temps, nous perdu trop de temps avec pays. Nous perdu trop de temps, gros paquet de bagages importants que t'es qu'à régler, et puis nous-mêmes, nous chita et rancé dans la pensée, nous pas résoudre. Rien sérieux. Pendant tout le pays a marché, a dérapé, nous-mêmes, c'est battre dans fait, et puis nous voulons parler de pays. Délégant fin prend pays, bandit fin prend pays, gang fin prend pays, et puis nous rete là, nous croisons, nous regardons tout ça qu'a fait dans le pays. L'on regarde, on imagine, depuis un dimanche, Izo te fait passer, il fait passer annoncé, il prend l'op Matissan. Et puis lundi matin, aux premières heures, Matissan l'op. Bandit a fouillé machine, bandit prend machine, détourné machine. Et dans la pire situation, il a tiré son bus, moun mouri, moun blessé. Maintenant, qui paye na vivre? Maintenant, qui paye na vivre? Donc, je dis là, déjà la police a demandé support secteur privé pour réhabiliter des commissariats, des sous-commissariats qui sont dans zone de guerre, dans une zone dangereuse. Nous, quand on a parlé de zone de guerre, j'ai Haïti en guerre, je dis, et nous, quand l'unanimité dit oui, pays en guerre, parce que par mon côté passé, c'est pas bandit qui a terrorisé la population. Par mon côté passé, c'est pas bandit, c'est pas influence bandit sous contrôle bandilier. Donc, est-ce que pays a en guerre? La police pas qu'à contrôler périmètre li, nous pas gagner assez policiers, nous pas bon effectif qui qu'à contrôler véritablement pour reprendre ça, les voix pour la contrôler tout pays. Hein? Hier seulement, nous passons une journée obscure, nous passons une journée, c'est la descente aux enfers. Port-au-Prince, pas bon, Matisse, pas bon, même. L'autre en Pernier, on côté qui compte réputé pour calme, il fut un temps là parler de Pernier, il y a mon cap du monde, ça m'a fait Pernier, Pernier côté qui est poussière. Pernier évolue avec le temps, Pernier habité avec le temps, maintenant qu'on est assez gang,
400 marauds yo descend yo décidé yo prend l'autre allié ou l'autre cocotte yo décidé yo vinn terroriser moun nan venir. Et selon information qui rive joine nous, la police stoppé 4 bandits là-dedans. Donc où est qui représailles 400 marauds yo pral gen pou le faire? C'est toujours comme ça, la police stoppé yo toujours fait représailles. Monte montagne noire, yo kidnappe un jeune garçon, problème. Route bloquée, balle tirée, descend Delma, même scénario yo. Donc imaginez dans quelle situation à vivre dans pays là. Dans quelle situation à vivre dans Port-au-Prince. Alors que gen réunion va faire, gen CSPN va faire, on pas jamais changer. Faut que nous suspendre bay tête nous menti que bon bagaille qu'a régler parce que pas rien qu'a régler là. Nous pas faire pays. Parce que nous pas gen autorité qui responsable, nous pas gen autorité qui respecte ça prend comme engagement qui mène pays là. Pas date Léon Charles dans tête PNH qui résultat qui baille. La police stoppe 2-3 bandits. Combien l'autre bandit qui a ferraillé? Combien l'autre groupe gang qui là? C'est vrai, faut que nous apprécions le travail policier. Yo a fait policier, yo pas bête, yo travail, yo a l'en opération, yo stoppe bandi, yo victime, etc. Mais jodi an nous rive, nous en stand pour que faut que de réels engagements qui prennent tout bon. Faut que la police, la justice, faut que yo ka travail de concert pour regarder comment yo ka stopper phénomène kidnapping, phénomène insécurité en dedans pays. Jodi an nous gon société qui décapitalise. Bon, imaginez, la police pas qu'à régler cause insécurité, ça paralyse question de gaz dans le pays. Pompe pas qu'à fonctionner, pompe pas qu'à l'ouvrir pour vendre gaz, parce que camion transport yo pas qu'à soutenir la route pour arriver à la compagnie. Bandi a saisi camion, bandi a kidnappé et chauffeur camion gaz yo, bandi détourné camion gaz yo, la police pas qu'à dire rien, la police pas qu'à dire ouais. Nous arrivons dans la limite là, côté que c'est sous bonne volonté, bonne grâce, bandit n'a fonctionné. Bandit, il décide en bon matin là, il pas bloqué pays, il pas bloqué telle zone, et puis il quitte au passé. Mais à 4 là, ça arrive, il décide pour bloquer, puis bloquer, et puis soit dans des piégés. C'est comme ça qu'on vit dans le pays. Donc, qui est-ce qui a dit que lever en bon matin, il sent-il de tout repos? L'endorme, on lever pour lui, ben là, on fait, ou constate au vivant toujours, constate au là, ou dit mon Dieu merci, après ça. L'autre al bien pour prendre la rue pour aller vaquer avec activité. C'est sous pression. C'est sous pression. Parce qu'on pas qu'on a qui soit pour rencontrer. Ou pas qu'on est comme un bandit pour décider pour prendre telle zone. Pour contrôler telle zone. Pas un kodo dans le pays ou épargne. Pas un kodo dans la capitale pour tout le monde. Nous pas demandé pour poser ce mot capitaine. Nous vivons une situation qui réellement et bagarre la démoralise net. Moi, je suis mangé un petit chocolat, malgré que je suis déjà habitué à la babon. Et puis, je décide de me prendre la rue pour m'acheter un petit chocolat. Parce que, quand même, malgré toute situation qui gagne, il faut que nous vivions, il faut que nous continuions à vivre. Et puis, depuis que je suis sorti, moi, deux nègres sur moto qui a suivi machine en distance, suivi. Moi, pourquoi je ne connais pas ce qui se passe? Parce que nous connaissons comment pays a piégé, nous connaissons dans les nègres moto, nous presque peur dans la rue. En pile moun, yo wè se anten yo, en pile moun gè de la yon ga passe yo dou, toujours gon moto, kape, kafe anten, etc. Mais c'est pas la mye. Et pour montrer nous comment situation, comment stress nan li wo nan pays, comment situation vraiment li critique. Nous fè à droite, monsieur yo fè à droite. Nous fè à gauche, monsieur yo fè à gauche. Nous plus envie courir quitte machine nan pou malé, parce que, presque pipi sou moi. Presque pipi sou moi, parce que, ou konne, depuis mon ap suivou, nous déjà konne pratique kidnapping nan, et pratique insécurité, en comment tout bagaye. Et surtout, travail moi m'a fait là, donc, na imagine nou. Et puis, bon, quand m'a rive pour m'en virer, et puis, monsieur yo paret, yo ralenti. Ça veut dire quoi pour qui ça? Monsieur a un bagay m'bran ba machine nan. Monsieur a dit, madame, faut retirer bagay là, sinon, li ka faut faire accident. Ou imagine, moun yo vini pou yo edo, pou yo vini sauver la vie. Parce que effectivement, l'homme gade bout de fer, li te ka faire accident, te ka caoutchouan. Et di yo vini dim, se di a vini dim sa, et puis moi même pou m'ka chere sa. Même te plus envie pour y parce que nous konn nan ki peyi nan vive. M'geta ouè monsieur, m'geta faire mille et une idée. M'geta pensé à kidnapping, m'geta pensé à balmaon, m'geta pensé avec assassinat, m'geta pensé avec
tout bagay. Mais Dieu merci, c'est sauvé, c'est de monsieur qui est venu de nous. Moi merci, je vais continuer à faire autre point. Donc c'est pour me montrer nous. Je dis, même au monde qui est venu de nous, n'a pas couru pour lui parce que nous ne savons pas qui est ce qui est monde. Nous ne savons pas qui est notre tête maintenant. Parce que nous vivons dans un pays côté que pas de sécurité. Nous vivons dans un pays côté que autorité ou pas de responsabilité. Nous vivons dans un pays côté que finalement c'est gang qui finit par payer. La majorité des jeunes garçons, la majorité des jeunes femmes, c'est les bandits. Qui est la cause? Quand est le développement? Tant que je suis passé à la week-end et j'ai un discours. En Burkinabé, qui fin envahit les réseaux sociaux, yo, bel discours, l'idée d'un sommet africain avec Macron. Bel discours, nous aimons les discours, nous aimons les paroles. Les paroles sont fortes, sont touchantes. De la parler contre aide au développement, etc. Mais je dis là, c'est de même. C'est de même par rapport avec différents pays en Haïti, KPD, nous dans tel domaine, dans l'insécurité, etc. Dat entre Haïti, États-Unis, Haïti, Canada, dans le domaine de sécurité, dans le domaine de former policiers, dans le domaine de bail matériel. Qui ça, ça change, qui ça, ça résout, qui ça, ça aide contribuer tout bon. Dans qui ça, ça aide contribuer tout bon dans le phénomène de sécurité, dans le phénomène de bandidisme de notre pays. Faut que nous commençons à prendre responsabilité dans tout bon. Nous pas cacher ta seulement c'est moun qui pou vinn faire c'est moun oui y a ba nous dicter en dépit de dicter ba moun qui ça nous prend comme responsabilité nous qui ça nous choisir faire bandi a théoriser nous non et non quartier non zone nous konn bandi a nous konn tout acolyte bandi a là on vinn faire réunion nous wè je tout moun nous konn tout moun puisque nous rete dans communauté nous choisir faire silence même nous même dans communauté nous victime parce que la police a vinn faire descente là. Tout le monde a besoin de parler. On va parler, on va dire, et dommage collatéraux, etc. Mais tout le monde a besoin. Parce que dès qu'on a protégé les bandits, on passe même déjà à bandits. Hein? Je veux dire, on regarde les séries de monde et qui n'ont fief bandits, qui étaient dans la même communauté, et dans le village, ou bien grave, etc. Moun sa yo nan situation de précarité qui est énorme, moun yo pa viv bien, moun yo pa gen accompagnement social, moun yo pa bénéficier d'aucune assistance, rien même. Mais en dépit du fait que l'État pa présent nan quartier populaire, l'État pa présent nan ghetto yo, koun yo vin jwenn chef de gang sa yo même qui est entre guillemets a fait un travail social. Donc, moun yo obligé à accommoder, ou moun yo obligé à accepter, moun yo obligé à défendre bandi sa. Le yon prend la rue, fait manifestation, nous konwe, et G9 prend la rue, moun yo accompagne, etc. Ou pense moun yo gen choix? Yo pa gen choix. Yo pa gen choix parce que c'est moun sa. Non seulement, côté yo y a, c'est la rue gen priorité, yo pa gen l'autre côté pour y aller. Yo pa gen choix parce que la police, la justice, yo pas prêt vraiment pour yo font travail pour yo ta dû éradiquer phénomène ça si yo arrête tel monde si yo fait tel bagay c'est fini non parce que nous connait dans qui pays arrête bandi matin la guerre après midi nous connait phénomène nous connait pratique et je dis en là qui réel plan de développement que autorité yo gagne pour empêcher que même bagay yo pas reproduit lo arrête ti jeune dans une purge tout peine le lag qui ça va faire qui soit bal fait. Délinquance, l'image de peur avec développement. Sous parle de délinquance, sous les freins, nous voulons éradiquer et phénomène banditisme, phénomène gangs dans le pays. C'est créer travail, c'est créer une structure côté que jeune dans lui-même, la carité, la carambare, pour le faire, pour qu'ils aient une jeunesse pour le faire. Même moun sa aujourd'hui, là, même moun sa yo ki ap dou, y a participé nan chèche solution, y a participé et gade comment yo ka assisté et jeune ki nan ghetto nan quartier populaire, c'est même yo même pour la plupart, je dis ka financer délinquance dans le pays. Gon dernière information qui rive jeune moi là, jeune dame sa pa konti nou sonje li, Johanna Dorceus, li son danseuse, li kon chante tout, yo te kidnappé le Levo Borgia la Kaili. Yo fin kidnappé, yo libéré, la DCPJ la fait déposition. Et après kidnapper yo rele pou yo di mais ki sa te di yo di exactement ça te di et dans rapport de position donc nan ki pays nan viv la
En plus, fois nous qu'on a parlé, on a posé cette question, qui est-ce qui a profité réellement du kidnapping? Non? Là, on vient pas qu'à dire seulement bandit qui localisé, nous pas qu'à dire seulement iso, si la pli l'autre. Puisque là, les bagailles yon mélangé. On dirait que même la police n'a kidnapping. On dirait qu'il y a des policiers aujourd'hui là qui travaillent pour nous, c'est intermédiaire. C'est ça lié. Ces situations, ça n'a vivre dans le pays à chaque jour qu'on est obligé de fuir le pays parce qu'on ne comprend pas qui est ce qui est. Ou bien obligé de peur dans des EPJ pour aller faire rapport parce qu'on ne comprend pas qu'on est pas temps sur kidnappeur ou pas temps sur une homme qui te prend. Donc on est obligé de dire tout. Réellement, la police pas fait travail. Réellement, pas les autorités qui fait travail. Puisque tout le monde l'a donné. Tout le monde l'a donné, tout le monde a bénéficié. Comme faut bon monde qui a découvert aujourd'hui, on a parlé de Iso, on a parlé de Tilapi, on a parlé de Katsamaruzo, on a parlé de différents autres monde et ils ont impliqué dans cause kidnapping non. Mais qu'on pas quelque autre monde qui derrière réseau kidnapping non, que nous on pas cité. Qui pas facile pour identifier parce que eux même ils caché derrière rideau. C'est responsabilité la police, c'est responsabilité la justice, c'est responsabilité CSPN pour bonne sécurité. Je dis à leur fin de capitaliser, qui sont comment on va le vivre. Qui est kidnappé, n'a prêté, vendre tout ça, ou de gagner pour libérer mon nom. Et puis je dis à petit, pas à l'école, pas à manger, on doit tout gagner dans la bouche. Mais dans qui pays n'a vivre. Donc là, nous obligés de lever, camper tout bon pour une force et autorité ou pour responsabilité. Parce que c'est pas seulement bandits qui décapitalisent. Autorité l'État a participé dans la pauvreté. Nous avons participé dans décapitaliser nous, dans rendre nous plus pauvres. Parce que les autorités ont croisé les bras, ils n'ont pas jamais réglé rien, ils n'ont pas jamais décidé de freiner l'insécurité, ils n'ont pas jamais freiné le kidnapping. Non, ils ont beaucoup. Ils ont fait plus mal que les bandits parce qu'ils ont manqué avec devoir, ils ont manqué en obligation. Voilà notre cher pays, notre cher Haïti. Paysan, il y a un problème d'instabilité, toute forme d'instabilité, instabilité politique, instabilité économique, problème sécuritaire. En rien, pas j'en dis, en rien. Solution, yo, pas j'en joindre. Problème, yo, là, nous tout connaissons problème. Mais chercher solution, c'est à son casquette chinois. Eh bien, là, nous arrivons dans notre émission pour aujourd'hui. Situation critique, situation extrêmement chaotique, situation paysan très difficile, qui ça a fait, qui ça a pu faire. On toujours dit, c'est responsabilité nous pour nous prendre comme citoyens haïtiens. On nous suspend garder nous comme de simples individus qui vivent dans notre pays. On nous garder nous comme des citoyens haïtiens. En tant que citoyens, nous avons droit, nous avons devoir, nous avons obligation. C'est appliqué. Moment arrivé pour nous mettre en bout dans l'émission Mon éditorial pour aujourd'hui. Principe n'a pas changé. Continuez à regarder vidéo, à partager vidéo avec tout compte à vous. Copiez les émissions, partagez dans différents groupes. Rendez-vous en l'icassé pour demain sous même chaîne dans la même heure. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick pour la même voix. Rien n'a pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.